porte noire au bout du couloir. C'est là qu'habite l'espoir. Un lit, une armoire, un petit foutoir. C'est là qu'habite l'espoir. Pour petit Pierrot, l'espoir, c'est le Père Noël. Alors que sa maîtresse amoureuse, elle, voit l'espoir dans le voisin du cinquième. Mais lui voudrait que ce soit un homme qui l'aime. Au rez-de-chaussée, le vieux bizarre dit que lui, comme espoir, il aimerait une petite guéguerre nécessaire. La porte noire au bout du couloir, c'est là qu'habite l'espoir. Un lit, une armoire, un petit foutoir, c'est là qu'habite l'espoir. Campé la tête dans l'évangile, Émile croit en Dieu. Mais l'espoir existe-t-il? Marmonne-t-il anxieux? Son fils, lui bien cravaté, cherche l'espoir à la bourse, quelques vœux bien placés, sans source de ressources. Les nouveaux passagers, en partance pour l'existence, doivent embarquer sans trop flipper, car même s'il végète au fond de son isoloir, il existe l'espoir. Un lit, une armoire, l'espoir. Léon, il croit que l'espoir c'est l'entièreté. Il coche les cases au hasard devant son petit blanc limé. Mais à l'autre bout du bar, y'a Bernard Lanard. Son espoir vit dans les fanions, les hymnes et les cris rauques de la Révolution. La porte noire, c'est là qu'habite l'espoir. Un lit, une armoire, un petit foutoir. C'est là qu'habite l'espoir. Les causes perdues, Édouard pense que c'est à lui de les sauver. D'humanitaire, il espère en souriant y arriver. Rien à voir avec Elsa qui met, elle, juste son espoir enflammé dans un amour sans faille pour lui, le susnommé. C'est là qu'habite l'espoir. Un lit, une armoire, un petit foutoir. C'est là qu'habite l'espoir. C'est là qu'habite l'espoir. C'est là qu'habite l'espoir. L'espoir.